Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la nouvelle mise à jour iOS 14.6 qui est disponible pour les utilisateurs de iPhone et iPad. Pour installer cette mise à jour, premièrement, il faut brancher votre appareil à la charge et être connecté à un réseau Wi-Fi excepté. Ensuite, vous allez dans Réglages. Dans Réglages, vous allez dans Général. Dans Général, vous allez toucher Mise à jour logicielle. L'appareil va rechercher la disponibilité de la mise à jour, comme ce cas, voilà, iOS 14.6. La taille est de 625,4 mégaoctets, mais ça dépend des modèles et types de l'appareil. Donc, cette nouvelle mise à jour vient avec les fonctionnalités telles que les utilisateurs peuvent s'abonner au podcast préféré via Apple Podcast. Aussi, les utilisateurs d'Apple Music vont pouvoir utiliser Dolby Atmos. Ceux qui possèdent un AirTags peuvent ajouter une adresse mail. Et aussi, cette nouvelle mise à jour résout les problèmes rencontrés dans la version précédente et bien sûr ajoute des améliorations. Donc, il est primordial de télécharger et installer cette mise à jour pour éviter tous les problèmes rencontrés avant et aussi bénéficier des nouvelles fonctionnalités et améliorations. Après, vous allez toucher télécharger et installer. Une fois que le fichier sera téléchargé, vous allez être invité à l'installer. Touchez tout simplement installer. Votre appareil va redémarrer et vous allez vous retrouver avec la version iOS 14.6 pour votre appareil iPhone ou iPad. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.